Yannick Noah et Roland Garros vivent une histoire d'amour particulière. L'ex-tennisman, et ancien gagnant du tournoi du Grand Chelem, y a fait son retour. Il était cette fois spectateur d'un événement sportif et a célébré la victoire de son boxeur préféré en famille. Tony Yoka poursuit la conquête. Le boxeur français est remonté sur le ring le 10 septembre dernier, à Roland-Garros, dans le 16e arrondissement de Paris. Il a affronté et battu le Croate Petar Mila, devant des spectateurs survoltés. Le public présent a également assisté à un autre combat. Souleymane Sissoko a terrassé son adversaire, le russe Ismail Iliev, par KO technique lors de la 5e reprise. Le français a ainsi conservé sa ceinture WBA intercontinentale dans la catégorie super léger. Au premier rang, Yannick Noah et deux de ses enfants, Elijah et Joa Luca, l'ont encouragé et applaudi.